On va tenter de passer au cinéma, peut-être. On va essayer de retrouver notre reporter, Élodie Plaisir Bernachon, de qui est savoir donc en direct que les gens avec me Patrick Bruel, qui est ce soir au Kinépolis de l'Homme. Il présente comme les cinq doigts de la main au Kinépolis de l'Homme. On va les retrouver en plein milieu d'une interview, tout de suite. avec Arcadie pour la cinquième fois dans un sujet qu'il affectionne, c'est-à-dire une fratrie, un film entre Rocco et ses frères et le grand pardon, c'est-à-dire voilà, cinq frères, un qui a mal tourné, qu'on va essayer de sortir un peu de la merde, et en le sortant de la merde, entre guillemets, on se met dans une sacrée situation. Et alors, ça vous plaît de jouer un grand frère comme ça dans le film? Ça me plaît de jouer un grand frère très sympathique, très avenant, qui a un restaurant, qui a une vie complètement rangée, tout va bien pour lui. Et puis soudain arrive ce grain de sable qui va lui faire changer de panoplie, il va remettre sa panoplie de militaire, il va ressortir son fusil, il va repartir au combat pour régler les comptes de cette mafia qui poursuit mon petit frère. Et voilà, c'est une vengeance et c'est un règlement de compte familial. Voilà, avec beaucoup d'humour, on rit beaucoup. Et une ambiance formidable entre ses frères. C'est la cinquième fois que vous faites un film avec Alexandre Arcadie. C'est quoi? C'est une histoire d'amitié entre vous deux? Oui, c'est une histoire d'amitié, de confiance. J'ai pas fait tous ses films. J'ai fait des choix aussi parfois. Lui aussi a fait des choix. Et là, on se retrouve pour je crois, ce qu'on fait de mieux ensemble. Merci beaucoup, Patrick Bruel. Vous étiez en direct de Grand Lille TV. Merci. Alors, on laisse Patrick aller voir ses fans. Voilà, il présente aujourd'hui le film d'Alexandre Arcadie. Il me regarde toujours. Voilà, comme les cinq doigts de la main. C'est un film d'Alexandre Arcadie qui sortira en salle le 28 avril.